Non. C'est-à-dire que si tu n'as pas peur de quelqu'un sur cette terre-là, faut avoir peur de femmes. Parce que ces femmes-là, non. Il sait que souvent, même Dieu même, il est au ciel là-bas, mais puis il regrette quoi. Attends, femme même là, elle est capable de s'asseoir. Et puis, c'est dit que si Dieu est devant elle, là, elle peut discuter avec Dieu pour lui dire que, ah, tel commandement là, si on fouille bien là, attends, c'est pas ça. On peut changer un peu. Parce que c'est dit que femme est tellement. Non, tiens, femme quoi. Go, tirer à ta camarade, toujours, elle soit les gars. Elle a les sacs à main. Elle attend, attend. Tu es assise là, tu fais croire que toi-même là, tu n'es pas dans ce genre de choses-là. Adultère, tout ça, on peut tout dire de moi, mais je ne fais pas adultère. Je ne commets pas l'adultère. Et ah, souvent là, les filles peuvent dire ça, mais c'est parce qu'elles n'ont pas vrai pointeur comme la fille qu'elles appellent Jonjou là, c'est à cause de ça. Souvent aussi là, faut pouvoir faire la part des choses, hein. Elle est là, elle dit non, celle-là comme ça, celle-là comme si. Mais elle-même aussi là, c'est toujours les repéros qui te draguent. C'est normal que toi-même tu sois bien. Quand on dit fille qui est bien là, elle est en face des situations où même, toi-même tu te dis même que vraiment c'est moi j'allais céder, mais elle cède. Parce qu'on appelle vraie femme. Toi tu es là en train de parler, parler. Si toi-même tu n'es pas dans ce genre de situation, pourquoi tu vas parler? Parce que il y a une différence entre conseiller et puis juger. Maintenant, toi, maintenant, tu as eu pointeur. Vrai pointeur. Le gars, il te dépose devant chez toi. Et puis, il te donne 200 000 francs pour ton transport. Souvent aussi, vous trouvez que, hein, on aime l'argent, mais quoi que ce soit. Mais, il y a des gars, bien aussi, qui sont. Non, leur générosité, là aussi, c'est trop, hein. Maintenant, la fille, maintenant, elle rentre à la maison et puis elle commence à réfléchir. Ah, mon cher. Adultère, là, même bon. Je me dis quoi, si tu sois avec un homme marié, bon, le gars il te donne un peu, c'est pas bon. Mais si par exemple le gars comme ça, c'est bon, moi je. Si c'est un footballeur, est-ce qu'on peut appeler ça adultère? Moi je. Tu demandes à qui? Jean, tu demandes à Dieu. Si est-ce le gars là, s'il a l'argent, c'est un footballeur qui est marié, ou bien un gars qui est riche qui est marié, vient te draguer, ça m'appelle ça adultère. Aïe! C'est que toi, mais tu sais ça, mais tu as convaincu Dieu que. Non, c'est. Mon cher, moi je pense que souvent là, ce sont des gens qui viennent sur ton chemin pour t'aider. Satan, go, veut rentrer dans l'adultère. Ça, c'est toujours comme ça. C'est pour aider. Sinon, ce genre de truc, c'est pas comme si je vais pour charger. Moi, je ne savais pas le genre de quoi charger. Mais bon, il y a des situations dans lesquelles, franchement. Non, mais je pense que Dieu, je pense que c'est toi-même qui as envoyé le gars là. Mais merci pour le signe que tu me donnes. Franchement, je sens que tu es en train de te manifester dans ma vie. Dieu se manifeste quoi dans ta vie? Ouais, ma copine. Si tu veux faire là, hein. Faut faire. Mais faut pas mettre ça sur Dieu.